Dis-nous, comment ça s'est passé la sélection en France, là-bas où tu es? Alors, en réalité, le comité Miss East Africa France s'est tout d'abord orienté vers les ambassades de la communauté est-africaine en France pour qu'eux-mêmes, du coup, sollicitent des jeunes femmes de la communauté pour qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles aient la démarche de volontairement s'inscrire au concours. Okay. Et quel était ton projet pendant que tu essayais de faire... Dans les provinces et les villages ici au Burundi. C'est-à-dire vraiment sensibiliser la jeunesse pour déjà, au sujet des femmes, déjà des jeunes filles, les entraîner et les pousser, les encourager à accéder à l'enseignement supérieur. Et parallèlement, essayer de solliciter des grandes enseignes, des grands groupes internationaux pour qu'ils sont en mesure de fournir du matériel didactique ou encore du matériel scolaire pour les régions qui sont en carence ou alors les fortes régions où on note de l'analphabétisme. Donc, promouvoir l'éducation. C'est ça. Donc, mon projet, il a été inspiré en fait par ma mère qui, du coup, est originaire du Burundi. Elle est ici, elle est à la table. Un petit coucou à de ce côté-là, c'est ça. Maman, combien de vaches? Vas-y, dis-nous cash. Non, on discute, c'est calme, c'est bon. 4 troupeaux, Kamoya. 6. C'est juste, c'est dur. C'est difficile pour toi, mes gars. 1, 2, 3, 4, 6. Imagine. Ils ont brochette et ils ont ses bleus. 10. C'est pas les enchères, frère, c'est bon. Tu fais 10. Oui, tiens, oui, la Congolais, tu vois, non, moi je vais donner 10. Là. Non, je vais payer petit vache. Sans commun. Hey, l'aigle qui a traversé l'océan à la nage. On me dit, j'en ai où par rapport à ton projet? Je disais donc, voilà, il a été inspiré par ma mère, du coup, qui est originaire de Gitega. Donc, petit soutien à la didacte de Gitega. Je suis à Gitega. Donc, elle est originaire de Gitega, je disais, et voilà, elle a vraiment grandi à une autre époque, donc elle avait des kilomètres à parcourir pour pouvoir rejoindre son école. C'était par rapport à mon expérience, moi qui ai grandi en France, donc du coup, j'ai eu la chance de recevoir une éducation. C'était le métro, le train. Gratuit, voilà, c'était même, voilà, mon école qui était à 500 mètres. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a choquée en fait, tout simplement, parce qu'elle avait, c'était à elle en fait de se diriger vers l'enseignement. Tandis qu'en France, nous, c'est l'éducation qui vient à nous en fait, c'est tout simplement. Qui vient à toi. Voilà, on est contraint en fait, tout simplement. Non, c'est bien. Voilà, donc c'est ça en fait qui m'a motivée à m'orienter vers ce thème-là, et j'espère aussi à terme mettre mon projet professionnel au profit de ce thème toujours qui est l'éducation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Les applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette jeune et belle demoiselle qui est... Lies Noëlla. Des applaudissements pour Lies Noëlla. 10 vaches, mesdames et messieurs, et 10. Merci beaucoup. Merci. Attends, je te raccompagne. Comme ça. Hey, c'est Désiré. Tous les jours, et tous les soirs, ouais.
C'est un peu comme ça que tu dis le match, c'est ça? Kaba kaba kumaze nakubona
Tragi. Baby, tell me what you want.
merci, 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 merci. Et c'est les membres voilà. De... Voilà le moment tant attendu ce soir. C'est le nom de la deuxième dauphine. La deuxième dauphine, c'est la Miss de Charles Mouzeau. Il s'agit de Monia Radeka. C'est monsieur Miss Charles Mouzeau et la deuxième dauphine. Des applaudissements s'il vous plaît pour Miss Charles Mouzeau, qui est deuxième dauphine. Gateka Monia. Deuxième édition. Elle est belle. Deuxième dauphine. Voilà la deuxième dauphine, mademoiselle Monia Chancuzo. Très belle. Elle est très belle. Très belle en effet, monsieur. La vous avez beaucoup. Ordella, deuxième dauphine de l'édition 2016, passe la couronne à Monia, la deuxième dauphine de Miss Burundi 2017. Quelle vision de splendeur, en effet, ces deux belles jeunes demoiselles. Encore un tonnerre d'applaudissements pour la Miss, la deuxième dauphine, s'il vous plaît. Parfait. Très belle, bon bonjour. La première dauphine, c'est mademoiselle Akimana Arlette de Paroussi. Akimana Arlette de Paroussi. Des applaudissements pour cette belle jeune demoiselle. Miss Karouzi, qui prend la place de la première dauphine. Mona Walda, première. La nouvelle Miss Burundi. Miss Burundi, les applaudissements, mesdames et messieurs. Tu es l'ambassadrice des filles burundaises. Courage, tu es jolie, tu es intelligente. L'émotion n'est pas de projet. Tu es la Miss Burundi 2017. Applaudissez quand même. Applaudissements, mesdames et messieurs. Wonderful. Elle te va très bien. Allez, encore des applaudissements. Encore des applaudissements, mesdames et messieurs, pour notre nouvelle voilà, Miss. Notre nouvelle Miss 2017, Annie Bernice. Vous êtes ébahis devant la beauté de Annie Bernice? Vous êtes silencieux ce soir. Vous admirez? C'est bon? Oui. Bravo. Annie Bernice, comment te sens-tu ce soir? Je suis émue, j'arrive pas à le croire. D'abord, je remercie le Seigneur. C'est grâce à lui que je suis ici devant vous. Je remercie à tout le monde, tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'ont aidé à arriver ici. Merci, merci énormément. Vous le méritez, Annie Bernice. Vous êtes jolie, pas seulement physiquement, vous êtes bien exprimée. Vous avez un beau projet, vous êtes belle, vous êtes élégante,
vous êtes l'ambassadrice cette année de la fille burundaise. Applaudissez encore une fois. La Miss 2016, où est-elle passée? Elle va peut-être... Un petit mot de votre part pour l'encourager, vos impressions, les défis, les... ce qui a été agréable, ce qui a été difficile. Bon, merci beaucoup. Bon, d'abord, toutes mes félicitations. C'est une fierté, c'est une joie de voir que c'est une autre Bernice qui est Miss 2017. Et puis, bon, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc, courage, bonne chance. Je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et bon, bonne chance. Félicitations encore une fois, Annie Bernice. Et les sponsors voudraient donner les prix. La deuxième dauphine aura 1 million. Yes. 1 million de francs burundais. Yaje namweruka kera habaye n'ama surprise abantu benshi ndibari batwara urujya mugabo urabona yuko byagenze neza cyane turashimye. Okay, murakoze cyane kwisa havyo mwaneguye byose mwabunyari sawa jewe naraki bon ikintu no vuga no negura gato ya nkwera ko ata spectacle bagira abantu baramana minota 45 bata atana abantu batamba baririmba bagiriki uretse Farias yagerageje kugira mugabo ifoko bameru ya côté spectacle kuko abantu baramara umwanya atacu bari ko barabona sinzi ngene bigenda mugabo je numvume ngo birakwiye kuko na myaka yahera kwa rugo murakoze cyane Christian atri kumwe kandi na Farias kumbure ko hari byo aza kuvuga ko mugani dezenda kula mukije yambu cyane urakomeye urumwe mu baririmbyi b'abarundi bashoye kuririmba muri Miss Burundi wavyakiriye gute kuri je niteka na gateka abantu so ko kubona bahise kuntora mu baririmbyi bose so no guhe ko ari iteka cyane rwose wabonye gute Miss Burundi wanyu imeze gute c'était bien passé mugabo kimwe gusa jewe umuntu wese n'amashusho yiwe mugabo hari ibintu je nakunze mugabo ni kuri shusho yiwanje ko bose abantu bose barafise amashusho yiwe mugabo je peux dire que wabaye Miss Burundi arabimerita kuko wumvise ama projet yiwe canke iki happy celebrate et tout namushikiye mugabo abandi babiri bajya badofine je pas aimé on y fait ça, on y est. 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 On numva abantu nkuko nabivuze umuntu wese aratora nimba yatowe n'abantu bon ça veut dire que America nkuko navuze ni umuntu wese afise guyi iwe kituza murakoze cyane si shaka kuvuga yuko ngo ndabakumiriye cyane iki ko umuntu wese afise guyi iwe ufise